Il dit vraiment, nous sommes en prison. Voilà, les médicaments là, on n'a rien, vraiment. On ne reçoit rien. On n'a rien, vraiment. Venez nous libérer ici. Venez nous libérer. Ça va même pas. Voilà. Nos corps écartés, tout nos corps, partout derrière. En train de mourir à petit feu, ils ont tout là, dans les poches. Ils ne savent pas, c'est nos frères qu'on a les meilleurs traditionnels là. Ils ont bien venu les deux. Sinon, personne n'a moins ces frères qui étaient ici. Là, c'est bidon. Des bidons, on prend. Voilà. Si on est habité, on s'est pas d'arrivée, on n'a pas parlé. Voilà. On n'a pas parlé tout ça. Sinon, après, ça n'a rien. C'est des menteurs. On a fait envie là-bas, ils pleurent pour nous. C'est vos parents qui prennent les fumetures pour leur donner. Sinon, il n'y a rien. Ils n'ont rien pour nous ici. Nous avons suspendu même la grève depuis le 25 décembre. Nous avons suspendu la grève depuis le 25 décembre. Et jusqu'à ce jour, il y a pratiquement un mois, les gens ne nous donnent même pas à manger. Oh, au départ, quand nous étions au bâtiment, ils nous donnaient la ration une fois par jour. Mais ils ne nous donnent plus à manger. Ils se foutent de nous. Ils ne nous soignent même pas. Ils font rien du tout. Regardez ce que nous sommes en train de faire pour nous soigner. Regardez comme ça. Ils ne nous soignent pas. Ils ne nous donnent pas à manger. Ils veulent nous tuer vraiment. Mais Dieu est fort. Voilà lui. Complicité à nos parents. Voilà lui, ils ont dit qu'ils vont périr. Voilà lui, c'est là. Nos parents qui sont en vie, quand ils envoient de la nourriture, ils divisent ça au moins par trois. Quelqu'un qui vous envoie 2 kilos de riz, on divise par trois. Combien vous allez recevoir? Vous allez manger combien de fois?